moi, mis sur les secours. Il y a une autre joie. Il faut voir que cette patience, la carte d'ailleurs, qui les arbres dans la langue. Il faut ressentir cette patience que le Seigneur est de ton côté. Dans tous ces combats, il est de notre côté. Toi-même, regarde ces héros, ces valeurs. Et Satan les connaîtrait. Tous les démons. Ils savent bien qui est Jésus-Christ. Maintenant, il est de ton côté à toi. Le Seigneur est tellement grand et il veille sur sa parole. Après ce qu'il promesse, c'est pas avoir. Comme il avait donné la promesse à Abraham, que postérité n'a été qu'au séjour dans une terre étrangère. Et tes titaniens, pour faire la carambouka, papa, à cause de la servie. Mais ma beaucoup, ma baoum, on a 430 ans. La quatrième génération. Et à la quatrième génération, quand vous éliquitez par Moréen comme à son comble, quand vous vivez par Moréen comme au caverne, la postérité d'Abraham est qu'au posséder terre. Et la postérité d'Abraham possédera la terre. À cause de la terre. Le Seigneur ne mange pas. Donc, on a oublié sa parole. Comme il avait dit que c'est sa parole, tant qu'on est camboyé, ce qui est le mot qui s'en a fait postérité, fait posséder terre. Lorsque cette parole allait vers son accomplissement, Josué 4 ici n'a dit quoi dans le Jourdain. Josué a traversé le Jourdain avec le peuple. Il est mon croyé. Et lui-même éternel Dieu. Josué t'a dit. Et Josué a observé. Soldat en col. Il a vu un soldat. Attendez, soldat. Il lui a posé la question. Ça n'a pas de la et tu es l'autre. Ou bien du camp des nos ennemis. Soldat en lui. Et le soldat en col en a nos sapatons. Or, d'abord, les souliers de Dieu. Parce que si, quand vous allez être ici, les saints. Parce que les lions, tu te tiens tel les saints. Josué, voyez, déjà qu'il a voulu laisser les mains par Moïse. Et Josué, là, savoir que cela s'était passé aussi. J'ai même dit à Yahweh, visitez Moïse. Le même Dieu qui avait visité Moïse. C'est le même Dieu à Yahweh. C'est le même Dieu qui était venu là. Il a digné armée. Il était venu comme un soldat. Pour sa parole ne faillir terre. Enfin, que sa parole ne puisse pas faillir. Il faut la postérité posséder terre. Oui, tu dis, t'as dit, c'est que la terre soit ramenée. Les années n'ont pas cassé la terre. Et c'était par la force ou la puissance de Dieu. Et par la loi, on a fait tomber. Et tout sera levé tomber devant Israël. Il dit, je suis le chef de l'armée de l'éternel. Il a dit, mon côté, ça m'a pile là, Yahweh. Donc, il est venu. Il était du côté de Josué. En réalité, il faut soutenir la parole à Isaac et Abraham dans Genèse 15. En réalité, il était venu soutenir la parole qu'il avait dit dans la postérité possédera la terre. Il t'a mis avec nous, soit comme Abel et Atana. Mais pour posséder la terre, il faut y émouvoir. Il faut que lui-même soit là. De la même manière pour nous. Et la même manière pour nous, bien un problème, mais on se souvient du Seigneur à l'émission. Dans tout le problème, si le Seigneur qui est majeur, sache que le Seigneur est à ma droite. Même si tu vois la situation difficile, le Seigneur est là pour que sa parole ne soit pas un mensonge. L'Écriture est lui tout le temps dans la réconimentaire. Pour que nous soyons coûte à ma moukose. Dieu c'est le vrai. La canzamé est mon console. Pourquoi c'est ainsi? Enfin que tu triomphes. Où est-ce que tu longa? Lorsqu'on te juge. Tant que ma moussak ni sakaye nous amoué à longa kanaïka. Donc le Seigneur triomphe toujours. Donc ce qui, au samedi. Donc si tu juges, il est 20h. Donc, mon tout nion soit amanté. Tout homme est menteur. C'est ça, Romains 3, verset 4. C'est ça, Romains 3, le verset 4. Hier, jugement ne pourrait pas le dominer. Aucun jugement ne pourrait le dominer. Il doit vaincre tout jugement. Et c'est lui qui a triomphé à l'ombre de sa misère. Il est au-dessus de toutes choses. Et c'est pourquoi. Il y a un mot à sa parole. Nous nous prosternons devant sa parole. Et tu dis que la parole de Dieu, c'est notre salut. Et bien, tu vas t'amener le pic qu'on a dit. Il faut la carte, dans le centre, car il est loin. Il faut que tu ressentes cette chose. Et la parole de Dieu, ça salue pour nous. Et la parole de Dieu est le salut pour nous. Satan, que la parole de Dieu, il y a une solution. Et tu ressens que c'est cette parole qui est la solution. Au moins, il n'a eu pas la carte. Rien que la parole. Que ta vie ne puisse regarder que la parole de Dieu. Pour nous sous souciement. Et d'autres choses après. C'est pourquoi Paul a dit tout ce que vous ferez en parole ou en fait. Au nom de Jésus-Christ. Vous savez, on a trouvé Jésus-Christ. Tiens Jésus en première place. Place Jésus toujours par la première place. Dans tout le problème.
la Christ. Élève toujours le Christ. Si tu ne l'élèves pas en toute chose, au péché. Et tu pèches dans ces problèmes en toutes choses. Avant ça, avant que tu le fasses. C'est recommandé entre les mains du Seigneur. Recommande-toi entre les mains de Dieu. Nions sans exception. Toutes choses sans exception. À tous les étudiants, même si tu es étudiant, il y a des questionnaires nions. Et que tu connais les réponses de toutes les questions. Il y a des gens qui ont dit ça, il y en a. Dis à Dieu, sans toi, je ne peux rien faire. Assiste-moi. Il faut s'attendre aux gens faibles. Il faut que le Seigneur le sente. Il faut que lui qui a force. Il faut tout morailler vraiment. Il faut vraiment élever le Seigneur Jésus. C'est très important. Et c'est très important. Bien. Un autre texte, la mission apparaît 2, 7. 8 à 11. Prenons notre texte de la montagne du Seigneur, le verset 8 à 11. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous nous levons pour commencer la lecture. Et par l'ange de l'église de Smyrne. Comme l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, et ne les sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici les diables. J'aiderai quelques-uns de vous en prison. Afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Ça, c'est moi qui le vois. Et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Que Dieu bénisse les lectures. Un frère m'a posé une question. Lorsque je suis venu, un frère m'a posé la question sur le problème des serpents. Nao Itali Nyoka, le jardin de l'Inde. Nyoka et la Mède. On a dit ce qui est d'abord que si je n'appuie simplement à monter. Je lui avais montré que notre sujet n'est pas vraiment basé sur le serpent. La santé, il faut pas répondre rien à l'ingénieur de la. Mais j'avais senti que je devrais lui répondre par rapport à cette question. À Sadri Koutouna, est-ce que. Est-ce qu'il s'est posé la question? Le serpent a changé de forme. Est-ce que les serpents ont changé de forme? La Simanae Koutouna. Après qu'il l'ait péché, la Zambaye au condamné. Lorsque le Seigneur est venu condamner, la Zobananamu n'a rien pour. Je commence d'abord de la manière suivante. Le Seigneur t'a rassemblé les animaux. Lorsque le Seigneur a créé ou fait les animaux, il y a qui d'abord les animaux nionso et pas il y a Adam. Il avait d'abord amené tous les animaux devant l'homme, Adam. Adam n'a quitté Oyo à Bokanakinaï. Adam n'avait vu aucun animal qui lui était semblable et les avait donnés. Dieu a créé les reptiles. Zambia kila banyama batambula na libumu. Il a créé les animaux de toute espèce. Les reptiles, ceux qui marchent à quatre pattes. Il est corbanté, il a créé des reptiles pour les. Cela ne veut pas dire qu'il a créé malédiction. Il a créé la malédiction. Non, créé d'abord bambou. Il avait d'abord créé les reptiles naturels. Toujours pas normal. Ah, il a créé qui. Il les avait créés. Maintenant, selon la doctrine, il y a un prophète dans le 7e. Dans le 3e siècle, on a dit qu'il y a une difficulté dans les années. Et quelle était leur difficulté? C'est que Dieu a créé mâle et femelle. Ils allaient être désabés à quel âge il y a moi, si il y a mon mâle, il peut y avoir moi. Donc, aujourd'hui, il y a un cahoué qui construira un Ève. Si tu prends le serpent qui était venu parler à la femme, il y a un mâle. Qu'il était un serpent mâle. Il y a un Ève pour
Et qu'il était venu séduire la femme pour la connaître. C'est-à-dire le serpent femelle n'a pas déjà du dégât du serpent mâle. Parce qu'elle n'était pas. Donc ce qui m'ont parlé n'aie pas puni ça qui est. Si le serpent mâle était puni, a changé de forme et qu'il a changé de forme. Voici à comment on m'ont à Zouria a changé de forme à Koukamamé. Et le serpent femelle va être surpris de ce que le mal a changé. Tel que tu le vois. Tel que tu vois, et maintenant, je vais le faire des dégâts avec la femme. Selon la compréhension des Ophites et des Sétiens. Selon la compréhension des Ophites et des Sétiens. C'est qu'elle nous dit, puis ça va au cœur. Et nous, nous leur disons. C'est pas mal femelle, ça qui va en attendre. Nous clairement si ça se considérer les serpents femelles. Si tu considères mal. Les serpents mâles, pourquoi on a dit d'abord les mâles? Pourquoi j'ai dit de cette manière? Les jugements que les hommes a fait tomber l'icône et à moi. Les jugements que le Seigneur a fait tomber sur la femme. À quoi frapper avec douleur, à augmenter douleur d'enfantement. Et tes babas qui s'est lié va pas si à propos. Jamais qu'on l'a dans le mal. Et jamais cela ne peut pas faire. Vas-y. Jusqu'aujourd'hui. Et cela ne va porter que les femmes jusqu'aujourd'hui. Supposons qu'on confesse. Si tu confesses. Et nous, quand on a un passe, nous avons un problème de sexualité. Parce que tu as le problème de sexualité en ce moment. Dans le rôle de Ève, ça va aussi. Comme Ève dit, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est un serpent mal au fil. C'est la vérité. Moi, c'est à la concerner. C'est-à-dire, le serpent femelle n'est pas concerné. Maintenant, si vous voulez accéder sur le serpent femelle, on va dire qu'elle est en forme ou va dire qu'elle est originale. Maintenant, vous devez nous montrer le serpent femelle dans leur forme originale. Maintenant, verge à Moïse. Maintenant, l'idée de Hermos. Tant qu'on voit qu'il a sait. Lorsque Moïse a jeté à terre, et bien, ça qui est serpent maudit ou bien serpent Moïse a qui a dit. C'était le serpent maudit ou bien le serpent créé depuis la terre. Donc, tant Moïse en voit qu'il verge. Lorsque Moïse a jeté à verge, c'est pas le coup là. Ils ont ensemble. Non, c'était le serpent de Dieu. Il est mis en maman, il est mis bien. Il est comme un homme, comme un homme, comme tu le sais là. Non, mais il m'a dit, c'est pas maudit. C'était le serpent de Dieu qui rentre sur la terre. Amen. Et ça va résonner mon corps très fort. Ma carte ici, un bino. Tout ce que Dieu fait sera guérira toujours. Mais on s'en savait à ça, les gourmets, la liberté. Voilà, Salomon, la zone dernière, Ecclésiaste 3, verset 14. C'est Salomon qui prêche ici dans Ecclésiaste 3, verset 14. Il n'y a rien à y retrancher. Les amis, mais donc, pour mon côté, à Colombo, rien à en ajouter. Mais mon côté, à Colombo, qui s'accate, ça. Qui fait ici? Il s'appelait à Salomon. Afin qu'on le crée. Et débatte pas Bangaï. Ce qu'il a fait, oui, à ça, les amis, de l'autre côté, l'ombre. Il n'y a rien qui fut retranché. C'est ce que cette écriture résonne. Et c'est ce que nous dit cette écriture. Donc, on fait dans le raisonnement tel qu'il est. Il faut être basé dans le raisonnement. C'est pas ces jours-là, selon lesquels le serpent, autant pour le rôle en montou, qui marchait comme un homme, après, après, lorsqu'il est venu, autant pour la manie pour ramper. Après, il a commencé à ramper sur son ventre. Là, on peut comprendre le macambazam. Là, tu ne comprends pas les choses de Dieu. Il y avait les serpents physiques. Mais ces serpents anciens avaient possédé ces serpents. C'est ça qui m'a mis au calamoli ou le côté qui m'a cassé mieux que le Seigneur s'adressait à un serpent physique tel. Ça me dit, ça va être pour l'obéité. Il parlait des serpents anciens dans ses corps. Ça va être pour l'obéité ou calamoli. C'est comme quand nous sommes dans la délivrance. C'est comme lorsque nous délivrons les gens. Ton mon esprit mauvais. Vous voyez un mauvais esprit. Ceux qui servent comme on les a mariés. Si votre soeur s'appelle Marie par exemple. Et nous autres, au moins, on a des esprits dans la tête. Nous voyons des esprits. Nous chassons des esprits. Pour bénir les mille-moi. Nous autres, le bénir certain. Nous ne nous adressons pas à celui qui est en tête. Mais nous nous adressons à celui qui est à l'intérieur de la soeur. Amen. Parce que Dieu, ce qu'il a dit là, oui, vous avez à l'oublier. Les ventres, c'est tout un Dieu. Ce qu'il n'a pas compris dans la tête. Les poumons et salines, ça fait oublier. Philippiens 3 n'a pas compris. C'est Philippiens 3 qui appelle. Alors, c'est même un faux serviteur. Il appelle les faux serviteurs en disant les enfants du diable, Banéa Satan, ils ont pour Dieu. Ils appellent la parole, le ventre. Les poumons. Ventre, c'est tout un Dieu. Les poumons et salines, ça fait oublier. C'est là, non, non. Donc, c'est que. Vous constatez que c'est pas ça de maquille, à la, au temps, pour la maman, à colo. Mais
pense pas qu'elle ne sait pas marcher comme maintenant. Après, on a et si on lui a imputé les mains. Il toujours pour ramper. Il rampait toujours par là. Pose une question. Et moi, je vais te poser la question. Verge et bruit. Lorsque la verge est tombée, le serpent s'est manifesté dans le serpent de Dieu. Le serpent manifesté, c'était celui de Dieu. Amen. Les animaux avec un fort béni. Mais ce serpent avec un fort. Maudit. Il y a pour la qui a oui, aux hommes. C'est que toi tu vois. Maintenant, quand vous avez dit devant Jeannès et Jeannès. Maintenant, lorsque Moïse était devant Jeannès et Jeannès, ici un pharaon. Et on jetait un serpent de magie. Donc, on croit que c'est un serpent maudit. Nous croyons que c'est un serpent maudit. Donc, mais qui rompt? Maintenant, les serpents qui étaient mis à la c'était les serpents maudits. Maintenant, ils ont jeté aussi la verge. Et c'était transformé dans quelle forme? C'est que, c'est-à-dire, il faut y avoir Dieu parler à l'esprit qui a incarné les serpents physiques. Ça va, ça va, pour le bien, mon livre est fait là qui n'a qu'à s'y aller aucun d'autre. C'est pourquoi, tant qu'à Zoro Baba, c'est pourquoi en parlant, je mettrai l'inimitié entre toi. Abutiaka Bouna, Katia, c'est femme. Je mettrai ça dans le futur. On a continué ça dans ta boutique. Alors, dis encore dans Genèse 3. Le Seigneur l'a dit dans Genèse 3. On va aller dans verset 15. À partir du verset 15. Pas dans ce qu'il y a là. Je mettrai l'unité entre la postérité de la femme et la postérité. C'est bon. Verset 23. Les versets ne commencent pas. Verset 23. Les versets commencent. Je mettrai l'unité entre toi et ça. On a continué ça dans la boutique. Et la femme. N'a pas. Maintenant, c'est que je mettrai, pendant que nous parlons dans Genèse 4, mais quand vous allez chercher dans Genèse 4, laisse Genèse 3. T'as une femme, tu regardes ma femme, mon Ève, tu vois Ève. Alors, je mettrai, n'a pas de diaka, mon bien. Tu le cherches. Alors, Ève, Genèse 5, dans Genèse 5, aïe, on fera ça sous terre. Elle n'était plus. Alors, je mettrai, n'a pas de diaka. Et ça, c'est pas mignon. C'est quel serpent dans ton corps? Cobra, mais cobra, c'est pas mignon, on a un problème, Ève. Où est-ce? C'est quel serpent qui aura des problèmes avec la femme? Hein? Vipère! La vipère! Quel serpent? Dieu s'adressait à l'esprit qui a incarné les serpents physiques. Ça va, c'est pour le gamin. Libre et fanta qui n'a qu'à sa gueule. Et c'est pourquoi Dieu a appelé les puissantes nations au Wazako déranger Israël comme serpents. C'est pourquoi le Seigneur a appelé les puissantes nations comme des serpents. Verset 9, Esaïe chapitre 14, verset 29. Je vous avais donné Esaïe 14, verset 29. Même sur aujourd'hui, Jérémie 46. Même Jérémie 46, dans verset 20, tient à 22e. Au verset 20 jusqu'à 22, on a besoin de l'Orient et Boukhanissa afin de combattre l'Égypte. Là-bas, on parle de l'approche de Boukhanissa pour combattre l'Égypte. Et sa voix se fait entendre comme un serpent. Mais vous comprenez ça, vous comme le Boukhanissa. Lui qui est serpent. Lui qui était le serpent. Jérémie 46. À partir du verset 21. À partir du verset 20. Nazui, pas verset 22. Le verset 20. Jérémie 46, verset 22. Jérémie, mon Dieu Jésus-Christ. Ah. Sa voix se fait entendre comme celle du serpent. C'était Nebuchadnezzar. On l'appelle le serpent. Dans la zone pour s'attaquer à l'Égypte. Lorsqu'il vient s'attaquer à l'Égypte. Mais il y a un serpent, mon ennemi. Jérémie 51, verset 34. On prend Jérémie 51, verset 34. Nebuchadnezzar, roi de Babylon. M'a dévoré, m'a détruit. Il a fait de moi un vase vide. Quel un dragon! Le dragon. Il m'a englouti. Il a rempli son ventre de ce que j'avais de plus. Il m'a chassé. Il est le serpent. C'est un serpent dragon. Mais c'était le roi de Boukhanissar. Cet esprit-là, satanique, possédé, non? Ce qu'il faut comprendre avec l'écriture de Dieu, les amis. Et c'est ce qu'il faut comprendre dans les écritures. Le roi de Boukhanissar a continué dans le jardin de Dieu.
Nebuchadnezzar était entré dans le jardin de Dieu. Il est entré en Israël pour les emprisonner. Il y a beaucoup d'enseignements qu'on peut dispenser là par la grâce de Dieu. C'est pourquoi tu vas remarquer. Lorsque Nebuchadnezzar les a emmenés, Lamentations 1, verset 8, tiens, mais Lamentations, chapitre 1, verset 8. Jérusalem a multiplié ses péchés. Jérusalem a voulu qu'il s'y fasse mon ami. C'est pourquoi elle est un objet d'aversion. Tout ce qui l'honorait la méprise. En voyant sa nudité, elle-même soupire et détourne la face. Quand Nebuchadnezzar a emporté Jérusalem, lorsque Nebuchadnezzar est venu amener Jérusalem, Jérémie est en train de voir Jérusalem, il dit qu'aligné, qui reste nu. C'est extrêmement mouvement du jardin. C'est extrêmement le mouvement du jardin de l'air. Il dit qu'aligné parce que le serpent y est pour emporter. Jérusalem est resté nu parce que le serpent est venu la faire tâcher. L'idée y a Oyo y a pour voir que le serpent a y est banakinzoton à F et sa l'idée à diable. La doctrine ou l'enseignement de la séance du serpent était l'enseignement diabolique. Donc, il y a le lingue que serpent physique. Et que le serpent physique, à sa manina, elle, c'est un couple avec ma femme, elle, c'est diabolique. Les habilités à ça, ce sont les doctrines dans le deuxième siècle. Les amis là qui s'y si, a battu, qui a mis balé le cas, bah, au fil là, la septième. Les autres filles étaient les septièmes. Ce sont des choses très sales. Ils arrivent à il faut aussi matin. Il ne faut pas toucher la chose que tu ne maîtrises. Ce n'est pas bon bien. Romains 5 qui le dit. Romains 5 dit ceci. Par l'offense d'un seul, n'a l'issue à votre mort. Donc celui qui a le péché, est un seul. Ils arrivent à votre mort. C'est pourquoi le Seigneur en venant dans les jardins. Adam, Adam, où êtes-vous? Il n'avait jamais posé la question de ma Osaliwa. Non. Où est-il? Osaliwa, puis mon nom. Après, on après, dit Adam répond. Et Adam répond. Est-ce que tu as mangé? Est-ce que Yo Olei? De l'arbre dont je t'avais défendu. Vous m'avez dit que la pétition a longtemps la Eve. Il ne cite pas Ève. Et alors, on remarque que quand Ève a lié qui? C'est pourquoi lorsque Ève a mis à ce moment-là, l'ancien n'était pas encore. Parce que la loi était sortie à Ève. Parce que la loi n'était pas donnée à la femme. Mais lorsque Adam a mangé, transgression. Alors la transgression fut imputée à l'homme. C'est que Paul a son nom à Romain 5. Et c'est ce que Paul dit dans Romain 5. Azon Baboy. Il dit ceci. À partir du verset 17. Le verset 17. Si par l'offense d'un seul, ce qui n'a dissous à votre mort, la mort a régné par lui seul. Et lui et Kota qui n'a dit là dans les morts. Un seul. Montez au monde. Ce n'est qu'Adam, ce n'est pas Ève. Les amis à Dama et Mosoké au Athènes. C'est lui qui a offensé la loi de Dieu, c'est Abraham. Donc, si par offense d'un seul, ce qui m'a dit souvent, la mort a régné par lui seul, et lui est comme ça qu'il a dit la loi. La plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ? Lui seul. Et ainsi donc, comme par une seule offense, le corps a mis sous caca moko. Mis sous moko, et ça le lingue, nous avons appelé ça qui Adam. Loi. La seule offense, c'est donc la loi qui était donnée à Adam. Loi à Ève, à Zaragina. Et la Ève n'était pas encore là. Il y a un atout dans la. C'est pourquoi je pose aux adeptes les ophites et les sceptiques. Quand le Seigneur a dit ça, Adam, lorsque le Seigneur s'adresse à l'homme, tu mangeras le fruit de tous les arbres. Mais quand
que l'arbre, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de l'arbre de la connaissance, le jour où tu as mort, je vais faire. Tu vois. Bon. Azala qui m'a dit, ça y est, oui. Qu'est-ce que le Seigneur lui montrait? La table. En ces temps-là. Oui, nous sommes tous à table. Oui, parce que la doctrine, il montre que vous permettez de manger les arbres. Permettez-moi de dire tel que ça. Oh, le sexe de la femme est en milliers. Et que tu as moins ces années la quantité. Non, pour vous tenir. Ou à des années, donc, tant que ça comme une masse, tant que vous avez des hommages en milliers. Pour qu'on prenne ce qu'on appelle centre de gravité. Milliers. Il y a beaucoup de pour tomber dans le ventre. Les milliers de l'homme, c'est dans le nombril. Amen. Ils ont la carte à ma tu vois les c'est les portes des gens. Vous savez que ça va toujours parfois attendre la tête. Donc là, tu t'adresses peut-être aussi les trucs aux gens incultes. Les voyez ici, pardon. Alors, tu t'adresses et ils t'acceptent. Maintenant, vous avez demandé les rires à Katikati. C'était au milieu. Comprenez. Vous êtes sur la vie. L'assemblée mixte. Puis, vous savez, à passer du bas. Donc, c'est que nous avons un enseignement contre ça. En matière, au centre. Les milliers, moi, nous avons battu qui ont eu l'autre, c'est qu'il y a moins des gens montés. Madame, nous, c'est ça, la Katia. Jardin. Le milieu représentait le menteur de tout ce qui était dans le jardin. C'est comme quand nous avons choisi Aaron. C'est comme lorsque le Seigneur choisit Aaron. Alors, quand la contestation est hier, lorsque la contestation a surgi, vers Jérôme, je faisais au milieu de Aaron. L'idée d'Aaron de Seigneur, qui est en Katia, ça m'a dit qu'il y a un milieu. Et par le Seigneur. Il bossait encore. Les milliers. En Katia, c'est exactement. Ils allaient au Réguéman. Dans ma zone, avec quelqu'un, moi, c'est moi qui évangile l'éternel. Oui, moi, je suis là, c'est là qu'il faut parcourir au milieu du ciel. C'est là qu'il faut pouvoir la catikati à ma colo. Au milieu du ciel, les actes à moi, la catikati. Le milieu du ciel, ce n'est pas au milieu de ce moment. Donc, au milieu du ciel. Le ciel est au trône. Donc, l'eau là, les alliés. Si vous êtes assis sur le trône, la foi, c'est ça le milieu. Il y a des catikati. Parce que le trône s'appelle ciel. Oui, mais vous êtes de l'eau. Mais celui qui parlait était au milieu du ciel. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Sur le trône, il y avait quelqu'un qui était assis au milieu du trône. Oui, enfin, il y avait quelqu'un. C'est l'agneau qui était comme immolé. Ça, qui moi n'a pas tout ça la tête. Alors, au milieu du trône ou au milieu du ciel? C'est quoi ça? Vous êtes au catikati alors? C'est ça. Donc c'est lui qui détient le trône. Oui, si mito asani a pris. L'agneau là, qui est comme lui. Asani tete makata kingo. Yohan, c'est lui là. La place du milieu, c'est sa place. Et si t'as un katika, c'est allé si calé. Qui Dieu bénisse. Ça vient de la même manière dans notre vie. De la même manière dans notre vie. Asosi malé milieu. Donc il est là au milieu. Où le centre. Ton katika tu peux ça. Il y a vie dans l'isso. Et notre vie. Dans les temps passés, les milieux c'était la loi. Le Katika, c'est ça qui n'est pas. Mais ça, c'est un sérévitique. Vous m'avez dit, il y a un peu de centre. Et c'est ce qui était au centre de tout ce qui était en Israël. Et à ce temps-ci, puis dans le temps, vous, les milieux c'est la grâce. Le Katika, c'est ça qui est en Mbolo. C'est pourquoi c'est des arbres qu'on précise d'abord. Il y a un bon débat, c'est pour ta vie. L'arbre de vie au milieu du jardin. C'était il y a beaucoup de catikati là-bas. Et l'arbre de la connaissance divine. C'était à vous et malade, ma mère. L'arbre, vous avez précisé qu'au milieu d'abord, c'est l'arbre de vie. C'était par le moment qui prétend la catikati, c'est ça qui était à vous. C'est que, c'est-à-dire, on soit capté, on joue ma calicie à tout dans nos raisonnés. Donc il ne faut pas copier les raisonnements des hommes dans les choses. Là-bas, c'était des arbres. Et ça qui peut pas m'intéresser pour lui. C'est pourquoi on avait ces deux exemples. C'est pourquoi je t'avais donné des exemples. Le Seigneur a saint le soleil. Le Seigneur a créé le soleil. Mais je ne fais ça dans l'écriture. Parce qu'en tout temps, pour la commis, Yemoko a pêché son jepaï à Joseph. Et lui-même a donné un songe à Joseph. Joseph a l'autre dit. Et Joseph a eu un songe. Le soleil, mon ami, sans âme, les étoiles. Puis maintenant, Jacob, dans la zone du Mona. Maintenant, lorsque Jacob ne tient pas, la vérité que Moïse, il n'a pas dit ce que c'est naturellement. Maintenant, dans la tête, Moïse est comme une
monde. Le soleil est devenu soleil. Ça peut être avancer. Tu avances. Voyez dans Psaume 84, verset 12. Psaume 84, verset 12. L'éternel, il est le soleil. Le soleil lui-même, l'éternel lui-même s'appelle le soleil. Même dans Malachie 4, verset 2. Même dans Malachie 4, verset 2. Voyez dans Matthieu 17, verset 2. Matthieu 17, verset 2. Le Seigneur, visage, nous a dit, transfiguré comme le soleil. Et nous guérons pourquoi la tire pour l'amour. Où ils ont prié dans sa force. Où ils ont dit qu'on guérit par la macasse, la gloire de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Mon colombaté, le roi l'a chassé à son soleil. Je ne m'appelle pas que comme Jésus-Christ. Je vois là où le Seigneur s'est éliminé. Je vois là où le Seigneur a créé. Et la soleilité. C'était pas le soleil. Le roi Jésus. Il a venu Jésus-Christ. Seulement. Non, 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 soleil. C'était vraiment le soleil naturel. Mais ça m'a pas voulu m'expliquer. Mais le Seigneur a marché dans les écrits pour l'expliquer. La seule exemple, c'est les lions. J'avais pris l'exemple de l'union. Si tu avances dans les Écritures, si tu avances dans les Saintes Écritures, on m'a dit bénédiction à Jacob, mais pas à 12. Vous considérez la bénédiction de Jacob à ses 12 fils. Autant qu'à partir du verset 8e, c'est la 11e. À partir du verset 8 jusqu'à 11. À cause de la bénédiction à Juda. Il parle de la bénédiction sur Juda. Juda était jeune lion. Le biou d'Azaniko, si elle est. Mais tout le monde a encore la police 5. On voyait encore l'Apocalypse 5. Les lions de tribu de Juda a aussi dans la Yuda à l'Ongi. Et comme il Christ. Et cela devient Christ. Moi, pourquoi la Jésus est un lion? Comme Jésus-Christ est le lion. On va le battre qui est un lion et c'est le même qui va aller dans la lion tête. C'est Jésus. Tu dis d'abord que le lion de la création n'était pas le lion naturel et que c'était ce lion. Le terrestre vient avant. Oh, il y a Saint et il y a Kaliyama. Ensuite, l'explication est sur les yeux. Et la suite d'explication vient sur les choses terrestres, textuellement civilisées. Et ça dit que mon corps n'avait pas de quantité. Et t'as besoin de ça. Et lorsque tu vois les arbres, il y a beaucoup moins à voir. C'est pourquoi tu es assis à planter les jardins dedans avec toutes sortes d'arbres et d'espèces civilisées. Ça veut alors que la manière de la quantité à l'origine. À l'obélité, ainsi l'arbre de vie qui est au milieu du jardin. Et il apparaît aussi l'arbre de vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien. Mais c'est diaboué du malade de la mabé. L'eau la mabé, là, c'est ce qui a grand. Comme la terre ou le pays qui avait le lien. Et la répétition du jardin d'Adam. Et que c'était la répétition du jardin d'Adam. À Saint-Lini. Qu'est-ce qu'il a fait? La date à l'autre là, dans la marche. Sauf qu'on t'a dit dans Deutéronome, chapitre 8e. Si tu observes dans Deutéronome, chapitre à l'obéli pays en haut où il a coupé sa maman. Le Seigneur a parlé du pays à partir du verset 6e. À partir du verset 6. Aux huit d'Éternel chapitre 8e. Éternel chapitre 8. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Nathan dit à Congo l'Esprit. Azoro Baboué. Le Seigneur dit ceci. Pays de froment. Moka ya d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'olivier et de miel. Pays en Afoukanzo. Donc, Batangi va arbre. On a célébré les arbres. Et puis, Wanata wa Yuzamazo clôturé au Théanaï. Et là, lorsqu'il clôturait ses prédications, maintenant, Moubazo Kenekokota. Maintenant, lorsqu'ils allaient entrer dans le pays, autant il y a Josué 24, verset 13. Tu y remarques dans Josué 24, verset 13. Dans le livre, on dit ceci. Je vous donnais un pays que vous n'aviez point cultivé. Des villes que vous n'aviez point bâties. Et que vous habitiez. Des vignes et des oliviers. Que vous n'aviez point planté. Et qui vous serve de nourriture. Donc, on va préciser maintenant pays en haut et un pays des désarmes. On a précisé que ce pays, c'est le pays des désarmes. Un pays à vigne, les animaux qui avaient vu, un pays à olivier. Pays mon cas était là. Maintenant, depuis le temps, on a eu un peu comme Moïse. Mais au début, lorsque Moïse lui a dit, il y a un arbre béni. C'est le pays de beaucoup d'arbres. Mais Josué, ma soukha, mais Josué, dans mon sang, pas son béret. Lorsque le Seigneur lui parle, il a ce pays, c'est un pays, il y a des arbres. Il appelle ce pays-là comme le pays de deux arbres. Tu penses que c'est en bas? Un pays-là, il y a vigne, là, il y a olivier. C'est seulement le pays de vigne et de ce. Cette terre-là, les arbres, jardin dedans. Mandelé, on est à la calocole et la mer. Alors, il y a un arbre.
il a parlé de plusieurs arbres. Après, il y a des arbres. Après, il a mis l'accent sur deux arbres. Ce n'est pas pour rien. Et ça dit pas bâtir. Après, c'est qu'il y a le Lévitique aussi d'Israël. Je vous avais donné aussi le Lévitique d'Israël. Verset 23. Israël n'a pas apporté le territoire. Lorsqu'Israël était entré dans le territoire, le Seigneur a péqué ça qui est allié fruit physique. Le Seigneur lui avait interdit de manger des choses. S'il vient à ses 19, verset 23. Alors lui, il dit, quand vous serez entrés dans les pays, et que vous y aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers, vous en regarderez les fruits comme un circoncis. Pendant 3 ans, ils seront pour vous incirconcis. On n'en mangera point. Cet homme, c'était vraiment spirituel. Ce n'était pas spirituel. Le fruit naturel pour les, tu manges, vous méritez la mort. Et tu mérites la mort en Israël. Est-ce que vous êtes malade? Est-ce que vous me suivez? Pendant 3 ans, amigou Misaka, oh, ils avaient qui interdit. Ce qui était interdit dans la loi, comme disant, à quand ça pouvait qu'on ouvre la maquilla, mais la grâce les a offerts et toujours il y a la chair et les sangs. Là, c'est à l'étoffer et nous mangeons la chair et le sang. Que Dieu vous bénisse. Ça ne vient pas pour ce texte. Il faut mourir à ma texte, n'y en secourir. Tu dois maîtriser tous ces textes. Et ça va dans l'écriture, oyoyo. S'il y a une écriture, peuple d'Israël, alia moussouni, la makila. Et le peuple d'Israël a mangé la chair et le sang. Dans 1 Samuel 14. L'écriture déclare ceci. Ayoka qui savait que le peuple malit. Saoul avait écouté la nouvelle que le peuple a mangé. Mais le problème, c'est qu'il est tombé dans la propre moine. Mais cela ne devrait tomber que sur son propre fils. Parce que le fils de Yahweh, c'est Adam. Vous êtes moine, il y a beaucoup de désalliés dans mon bourse. Alors, oui, ah oui, c'est que Jonathan. Mais ici, c'était Jonathan. À partir du verset 45. Le verset 45. J'ai dit au nom de Jésus. Ah. Le peuple dit à Saoul, quoi, Jonathan mourait? Jonathan a couffé. Lui qui a opéré cette grande délivrance. A continué. Il continue. En Israël, loin de là, l'Éternel est vivant. Il ne t'opéra pas à terre un cheveu de sa tête. Car c'est avec Dieu qu'il a agi dans cette journée. Ainsi le peuple sauva Jonathan et il ne mourit point. Saoul cessa de poursuivre les Philistins. Dans le verset 47. Le verset 47. Après que Saoul y prit possession de la royauté en Israël, sur Israël, c'est très important, ils ont dit Kolokoleka. Saoul azor dans le verset 38. Saoul dit au verset 38. Là, on a la recherche. Là, il fait la recherche. Maintenant, azor vers le Kamouya Golia. Lorsqu'il parlait de ce qui concerne le manger, verset 30. Le verset 30. Verset 32. Et il se jeta sur les mitins. Il a pris des brebis, des bœufs et des veaux. Il les égorgea sur la terre. Et il en mangea avec les sangs. On les rapporta à Saoul. Et l'on dit, voici le peuple pêche contre l'Éternel. En mangeant avec les sangs, Saoul dit, vous commettez une infidélité. Roulez à l'instant vers moi une grande pierre. Roulez, oui. Puis il ajouta, répandez-vous parmi le peuple. Et
Et quitte à chacun de m'amener son bœuf et ou sa brebis. Et de l'égorger ici. Vous mangerez ensuite et vous ne pécherez point contre l'Éternel en mangeant avec le sang. Et pendant la nuit, chacun parmi les peuples amena son bœuf à la main afin de l'égorger sur la pierre. À la main, le bœuf à la main fit égorger sur la pierre. Saul bâtit un autel à l'Éternel. Ce fut le premier autel qu'il bâtit à l'Éternel. Donc, baler le sang. Les jours, ils ont mangé le sang pendant le jour. C'était un péché. Ils allaient qu'ils souffrent. Mais baler le sang couché à son nez. Ils allaient mieux. Mais ils ont mangé le sang après le coucher. C'était pas un péché. Ils allaient qu'ils souffrent sous les sous-moutins. C'est là que placer les détents. Ils allaient colorer la matin pour y baler le sang. Tant il y en a sans matin, les temps, il y a l'eau qui a mis en tombe. L'alliance à Moïse, il y a l'eau qui a mis en bouche. Les sangs étaient interdits. On y a maquillé le petit samadhi. Maintenant, il y a soir. Mais le temps du soir, il y a grâce, le temps de la grâce, les sangs les a bénis. Les sangs maquillés, la paix, ça qu'ils allaient abolir. Il y a mon nez, les bonhommes. Et c'est ça le signe. Sans les jours, maquillés la mort. Sans au-delà du coucher du soleil. Et le sang après le coucher du soleil. Au-delà du coucher du soleil, ce n'était pas un péché. Et ce n'était plus le péché au-delà du coucher du soleil. Il y a mon nez, Israël a compris qui a mort. C'est pourquoi Israël ne l'avait pas compris. Et c'est textuellement le Seigneur a dit ce qui m'a dit que fruit est incirconcis. Quand on parle de l'incirconcis, lorsqu'on parle de l'infini incirconcis, on lit la page avec le sang. On lit la page là avec le sang. Le sang est coulé terre. Le sang n'a pas encore coulé. Mais après quoi ça? Mais la ça. Le fruit est consacré. Et ma mouma et ma boubouzi. Et cinquième année, il faut y avoir. Mais Et on l'a aussi mangé. Saul a reproché le peuple parce que Baliaki la chair et le sang. Et Saul a reproché le peuple parce qu'il avait mangé la chair. Les jours, dans mon colère. Mais maintenant, la nuit. Mais la nuit après le péché. La chair et le sang, ce n'est pas un péché. Balié soumina ma crise à la qui sous terre. Mais avant d'attendre ce qui est oui. C'est pourquoi je t'avais montré. Dans la loi, la grande interdiction, c'est le sang. Et le sang dans l'arbre est dans l'arbre qui est la vie. C'est ce que Moïse a dit aussi. Les amis, on se fait pour le moment. Deutéronome 30, verset 14. Deutéronome 30, 14. Et même Christ aussi a dit. A ta Christ aussi a dit. A béni le vin, c'est si important. A béni, vive le mot, ma qui l'a dit. Et même dans Moïse, dans Deutéronome 32. Et même Moïse, dans Deutéronome 30. Au verset 14. Au verset 14. A lui, tu as mis le sang du raisin. Au béni, ma qui l'a dit, ma qui l'a dit. Nous sommes encore bon amour. Le sang du raisin. Maquilla pour ma vie. Donc, ce qu'il faut, il faut veiller ma casse. Ce que tu as la parole. À la parole de Dieu. Donc, aux arrêtés dans l'italicien, n'aie pas à penser. Les arrêtés qui vont nous aider. Que ce n'était pas des arbres naturels. Les arrêtés qui vont nous aider. C'était vraiment des arbres naturels. Tant qu'on a interdit le fruit. Lorsque le Seigneur a interdit, on a fait ce qui porte dans Lévitique 19, verset 23. Comme il en avait donné l'ordre dans Lévitique 19. Donc, on l'a transgressé. Mériter la mort. Si tu as mort, tu transgresses et tu mérites la mort au fruit physique. Les affluents. C'était vraiment les fruits. Tu n'en mangeras point. Yoko lié à la beauté. Israël a dit qu'on a interdit les fruits. Israël a vu qu'on lui a interdit les fruits. Et vous pouvez son mort parce qu'il va vous retrancher du milieu. Et cela va te donner la mort parce que tu seras retranché du milieu du peuple. Que Dieu te bénisse. Ça ne m'y a pas pour la vie. Que vraiment le Seigneur a Zamayo.
Vraiment que le Seigneur soit avec toi. Tu ne peux pas me poser des questions, c'est très important. Parce que Maliaka, la nourriture, ça vous a convaincu. Oui, tu es Maliaka, il est sur mon limite, ça vous a convaincu. Tu vas convaincu, tu es Maliaka, tu es parce que c'est un péché. Si tu n'es pas convaincu, on ne mange pas parce que c'est un péché. Dans ma zone de l'enseignement, maintenant. Je parle de la nourriture dans l'enseignement. Pour sentir l'enseignement, je comprends la nourriture. Il faut poser. Si tu sens que tu ne comprends pas l'enseignement, tu vas poser des questions. Et c'est très important. À la grâce, nous allons répondre selon la mesure dans les limites que le Seigneur nous a signées. Et les autres aussi pourront nous compléter selon la grâce que le Seigneur nous a signée. Et Dieu te bénisse. Amen. Donc, ce que dans notre église à Smyrne, c'est que dans l'église de Smyrne, il faut y évoquer, tu dois savoir, bien aimé, selon Bamikanda. Selon les lettres ou les livres, Jean, Azoua, Likambo, Oyoyo, Naba, 96, 95, avait reçu cette révélation dans les années 95, 96. Mais Likambo, Jésus a consacré dans l'église à Smyrne. Mais les choses qui viennent se passer dans l'église de Smyrne, Naba, 300 et quelques. Dans les années 300 et quelques. Donc, Balaki, on a promis ma collègue la tribulation de 10 jours. Et qui vont passer les tribulations de 10 jours. Pourquoi ça va vous avez une église hein? Tu pourrais être aussi dans cette église. Si au profit, jusqu'à ce que tu meurs. Tribulation de 10 jours. Hein? Et cette tribulation de 10 jours n'est pas encore arrivée. Parce que Jean a profit. Parce que presque avant balançant. Reste avant les années. Moi, ça, on les a selon l'histoire des anciens testaments. Là, c'est l'histoire, ce n'est pas d'abord les saints. Moi, les a les archives ou les amis. Moi, les amis, tout à l'heure, t'as le petit cadre. Parce qu'il m'a dit qu'il a dit bien à ma belle époque. Parce qu'ils ont vécu aussi sur la même terre que nous. Donc, bah, tu peux, parce que vous comment m'a bambou. Les gens aussi écrivaient leurs histoires. Et c'est tout. Et au l'État. Non. Pouvoir romain. Sous leur domination romaine. Quand on est sur la salle, ma comment m'a tout ce qu'ils avaient fait en Égypte. En tel temps, en tant que boy, en tel water, dans mon côté, ils ont coïncidé qu'en temps, on a aussi apôtre Zaraki. Et cela coïncidait qu'à ce temps-là, il y avait l'apôtre Jean. Maintenant, on a dit ce qui a eu d'abord. Maintenant, on avait montré ici que le Seigneur Azak s'est présenté comme celui qui était mort. Mais à la ressuscité. Et que quand les amis comme ça, ils sont encore à côté de la couffa qui s'est assécuré. Et présentation à l'autel du Seigneur. Et dans cette présentation, il montre. Il a vaincu la mort. Il est à l'homme du roi. Anima qui souffrance. Il avait accepté les souffrances. À l'autel du Seigneur, il y a un ennemi qu'on va croire. Il a montré qu'il a accepté les portes de la croix. Et puis aussi nous en avons. Et que nous aussi nous le suivons. Anima la croix. Et que nous verrons aussi accepter la croix. Parce qu'il est anima qui du roi. Parce qu'il avait accepté la mort. Mais assez lui. Mais il était ressuscité. Et avant de confirmer d'abord le Seigneur, il confirme lui-même le Seigneur qu'il y a des tribulations à l'église de Smyrne. Qu'il connaissait les tribulations de l'église de Smyrne. Il y a des persécutions. Il connaît ses persécutions. Il y a des pauvretés, il y a même si elle est riche. Il connaît même sa pauvreté quand bien elle est riche. Dans ce qui est le moment qu'on. J'avais pris ainsi. Contre ça que Joseph était pauvre. Montrer que Joseph était pauvre. Mais la richesse m'a venue dans sa maison. Et il y avait une richesse qui était venue dans sa maison. Il vendra le voisin pauvre. D'ailleurs, dans l'apparence, il était pauvre. Mais oh, écoute, il n'a pas dit qu'il était riche. Mais ce qui était dans sa maison, c'était une grande richesse. Et c'est exactement ce que Paul a dit dans 2 Corinthiens 5. Et c'est exactement ce que Paul a dit dans 2 Corinthiens 5. Nous sommes même un trésor dans des vases de terre. Nous sommes même aux yeux dans 4 ans qui a m'amélé. Pour toi, il a m'amélé. Dans celui qui est la terre. Nous sommes dans beaucoup de canines. Il peut voir que vous êtes semblable. Nous avons un côté tu es une telle tribu. Nous avons mon mal. Tu es mon gala, vous allez tel, tu es un homme à mon gala, il voit que vous êtes semblable. Mais il y a un trésor pour y avoir.
Mais toi, tu as un trésor que lui n'a pas. C'est Christ et Jésus. Les amis, Christ et Jésus. Et vos enfers allaient pour fortifier. C'est pourquoi le Seigneur fortifie l'église. L'église à Smyrne. L'église à Smyrne. Smyrne, il y a un mot qu'on a combattu dans l'état de Saka. Amertime. Smyrne, de par son nom, signifie bololo. Et racine en mot en réalité. Mais comment est bandé la nerve? Bah, on a aussi mire. Donc, mire, et l'autre va s'arrêter à capot et demeurer pour la terre. Ah, d'accord. Et l'autre, il est battu la caille. Donc, le produit qui conserve le cadavre, c'est qu'on applique au cadavre. Donc, c'est aussi mon corps à racine à moi. Et c'est l'une des racines du mot smire. Donc, Dieu l'utilisait avec une pensée. Il y a un robot qui bouille. C'est pourquoi j'avais dit ceci. L'église, il y a smire. L'église a reçu un message à suivre. Les messages qu'il a reçus. Ils ont concerné aussi Bissonnianso. Et ces messages concernent nous tous les enfants de Dieu. Parce que souffrir pour Christ. Oui, les connus comme pour la Christ. Et il casse. Et ça dit qu'on nous connaît dans la salle. Alors, il y a aussi dans Matthieu 10. Il en a parlé aussi dans Matthieu chapitre 10. En raison d'une dans ma disciple. Lorsqu'il a envoyé ses disciples. En raison d'un envoyé, j'ai dit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 10. À partir du verset 16. À partir du verset 16. Pour monter dans verset 25. Sinon, jusqu'au verset 25. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents. Et simples comme les colons. Mettez-vous en garde contre les hommes. Car ils vous livreront au tribunal. Et ils vous battront des vaincus. Dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi. Devant des gouverneurs. Et devant des rois pour servir des témoignages à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à leur main. Car ce n'est pas vous qui parlerez. C'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. Et Dieu seul. Le frère livrera son frère à la mort. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Quelqu'un avait chanté. Il a fait tout pour faire aux gens qui vont. Mais ces gens-là ne l'aiment pas, c'est bon. Si ma paix c'est une réponse. On avait déjà répondu dans cette écriture. Vous serez haïs. Maintenant que tu as fourni toutes tes efforts pour plaire aux gens du monde. Jésus descend pour. Vous voyez quand quelqu'un ne maîtrise pas la parole. Maudit. Et à laquelle on m'a paix. Jésus s'est admis que vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fouillez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera béni. Cela veut dire qu'il va vous soutenir. Les disciples n'ont pas plus que le maître.
ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître. Et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé les maîtres de la maison Belzébouth, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secrets qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-les en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-les sur les toits. Jésus nous a donné l'ordre. Il faut prêcher la parole. Et c'est que nous témoigner la vérité. Je tâte la console. Aucun la vérité captive. Je m'engage à solo la parole. Libérer la vérité. Il faut libérer la vérité, mais annonça qui que ma caméra casse. Il avait annoncé que les persécutions viendront. Maroba qui c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. La sœur Corinne pico qui nous souffre sera sauvé. Il était à Obika. Ma souffrance, les souffrances viendront. Jésus-Christ. J'ai ceux qui ont suivi Jésus. D'abord, Paul a parlé dans 2 Timothée 3, verset 12. Pourquoi Paul a venu dans 2 Timothée 3, 12? Ceux qui veulent vivre pieusement en Christ, seront persécutés. Si tu veux seulement garder la pression de la parole, Matthieu 10, il faut une attaque. Et Matthieu 10 doit porter ta vie. Mais témoignez toujours la vérité devant tout problème. Parce que tant que la personne ne va pas se faire, il va mourir. Milliers de gens sont là. Dans tout le milieu, tu te poses à l'étudiant. Que tu sois étudiant. Pose à l'étudiant. Que tu sois étudiant. Témoigne la parole d'Abraham. Tant que la personne ne va pas se faire, il va mourir. Que Jésus-Christ est vivant. Que l'on sache que ton Seigneur est vivant. Dans ce comportement, par ta conduite. Et ça la place aux amis. S'assoit dans les travaux. Témoigne le nom de Jésus-Christ. D'accord, la compagnie est sous Christ. Jésus est l'Esprit supérieur. Jésus n'est mon limo et à l'époque. Les âmes pour lui voter le dit Jésus-Christ. Il n'y a aucun esprit supérieur que Jésus. Là, on peut venir à la tombe à la science de Dieu. Même si tu rencontres les gens de loge. À la scène, à eux, parce qu'il y a aux âmes Christ et Jésus. Ils sont sous les pieds parce que tu as le Seigneur Jésus-Christ. Alors, ils ne craignaient rien. Alors, ils ne vont pas battre le côté. Le Seigneur a dit qu'il y a eu. Le Seigneur est dans la même voie. D'abord pour proclamer la vérité. Lorsque tu vas proclamer la vérité. Ah, pour soutenir you. Le Seigneur viendra te soutenir. Oh, yo, zambé, a tani, et kokome, la, atande, ni, ni, koko. C'est que le Seigneur a prévu sur ta vie va s'exécuter. Soka, le livre, on va appeler dans de la persécution. S'il a dit que tu vas quitter la terre par des persécutions. Et va pour comment, yo. Et qu'on va te tuer. Et pour la tête. Cela ne va pas rater. Il y a des colos. Programme. Parce que c'est lui le premier. Non, mais c'est le programme. Donc tu as fait. Esaïe. C'est lui. Zamele. C'est Dieu. Et t'as promis que pas garder fidélité jusqu'à la mort. Et lorsqu'il a dit de garder la fidélité jusqu'à la mort, cela veut dire persévérer jusqu'à la fin. Il faut y capir pour qu'il n'en a souka. Mais la personne qui dit non, texte né. Alors, quel texte je vous avais donné? La personne qui dit non, 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Attends mon corps, je le rédis. Parce que nous aussi, c'est qui dans ce même monde, on porte un appel d'âme, le livre à la grâce de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous achèvons l'église des Smyrne pour entrer dans l'église des Pergames. Nous avons dit 1 Corinthiens 2 à partir du verset 6e. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 6e. J'ai le nom de Jésus. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ces siècles, ni des chefs de ces siècles qui vont être anéantis.
Nous prêchons la sagesse de Dieu. Mystérieuse et cachée. Que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. La sagesse de Dieu élève. La parole de Dieu, la connaissance de Dieu. Lorsque tu as saisi, cela va t'élever. C'est pour que tu puisses aussi entrer ou participer dans la gloire à Dieu. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu. C'est cette écriture qui nous montre que les présidents des pays, les préfets, les frères de la vraie église, ils ne peuvent être frères de la vraie église. Le Seigneur dit ce que je vous ai dit dans les ténèbres, vous ferez crier sur le toit. Les amis. Les amis de Bibliens. Donc, même les gens qui ont la chef de ce siècle, même en observant le chef de ce siècle, Nathalie Sakiyombe, je t'avais montré ceci. Que sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu. Là, dans le verset 8, il y a un corinthien. Le verset 8, il y a un corinthien. Car si l'Iscorin, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Crucifixion et Seigneur de gloire, même si les lois ont continué. Pour la prostituée, la femme, a gagné tous les rois de la terre en bénissant son frère. Elle a séduit tous les rois de la terre en les faisant abreuver de son frère l'impéliste. C'est ce qu'Apocalypse 17 est aujourd'hui. Il y a mon nom d'Apocalypse aujourd'hui. Apocalypse 17, tiens. Apocalypse 17. Doctrine Wana Wesalia, ya Vatican, Église romaine, catholique, romaine, c'est la doctrine Salana Unions, c'est la doctrine du libertinage. Messe à l'écrière, mais voyaka. Mais il y aura une messe pour l'expiation des péchés. On va pécher tes péchés pour te faire entrer dans le royaume. Donc, et personne n'ira en faire selon les catholiques. Donc on fera la messe pour tout le monde. Maintenant pour passer la messe. Maintenant pour célébrer une messe à ta place. On va d'abord observer. Faut 5 dollars. Faut 5 dollars. Mais 10 dollars. Donc pour passer le service, on a 10 dollars pour les services purgatoires. À Colombo, la moto, ma mère, avec la peau, ma moussante. On va le faire. Mais c'est bien. Pour qu'il devienne un cadavre. Or l'écriture le dit. Après la mort, vient Jésus. Si ma vie est sans discerner, il y a. Maintenant, autant sa doctrine ou à la parole. Maintenant, obéir à cette doctrine ou à la parole de Dieu. Et la parole, les autres témoignent, ils sont en Apocalypse 17. Hein? Et la parole du témoin en Apocalypse 17. C'est les hommes de la femme prostituée. Lorsque l'écriture parle de la femme prostituée, total, ça qui boue. On avait montré ceci maintenant. Apocalypse 12. Dans Apocalypse chapitre 12. La femme enceinte. Moi, si à zèle. Adversaire n'aille. Elle a pour adversaire ses dragons, les diables. Les amis, la gomme, les amis, Satan. Mais les diables, là, ils ont 7 têtes. Mais ces dragons, les diables, ont 7 têtes. Tout le monde dit 7 têtes, toi, là, ils ont un mitolé. Donc, tu as mis tous 100 rois dans la mitolé, ça. 7 têtes, toi, là, la police, qui s'est dit, il y a 7 rois. Et ces 7 têtes sont les 7 rois d'Apocalypse. Donc, ils ont un royaume. Ce sont des royaumes de la terre. Oui, ils ont dirigé ma belle alliance. Qui domine puissamment toute la terre. Il va présenter ma diadème. Si on va la présenter toutes ces 7 têtes avec des couronnes. Mais elles ont l'adversité mais ces têtes-là sont des adversaires de la femme. Donc, si vous construisez une première tête, si vous prenez par exemple la première, elles ont l'Égypte. L'Égypte. Deuxième tête. Deuxième tête. Elles ont l'Assyrie. L'Assyrie. Troisième tête. La troisième. Elles ont l'Babylone. Babylone. Quatrième tête. Quatrième. Elles ont Médopèse. Cinquième tête, Esaïe, Grèce, c'est l'Empire grec. Sixième tête, Esaïe, Rome, c'est l'Empire romain. Rome, on va mettre la Rome politique de païen. Rome,
Et on avait pris aussi bien Makati à Koloba, dans notre
parler. Pour nous confirmer qu'aujourd'hui, c'est la femme prostituée qui a dominé la terre. Total, qui d'abord en Apocalypse 13. On avait d'abord observé Apocalypse 13. En verset 1er, nous lisons en Jésus-Christ. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Mais royauté, ça fait la maman à cette femme.
puisse la déplier. Et ça pourrait avoir. C'est pour que la bête puisse la déplier. La bête qui était. Il y a ma place là, ça va être pour la maille. Esprit, la femme en place. Moi, si tu as été aussi à la micro. Avec le fait que la bête réapparaîtra. Si tu as ma yaoula, tu pimentes à l'issus. Ta raison réapparaître, il faut dépouiller tes millions de femmes. Lorsqu'elle réapparaît, elle doit dépouiller le vêtement de pourpre de la femme. Donc, à Oluka, elle va chercher, va adorer lui. Qu'on puisse l'adorer, lui, la bête. Maman, on va travailler dans la carte à l'œuvre. Mais de tous, la prostituée avait travaillé dans le combattre la bonne parole. Pour combattre la bonne parole de Dieu. Maintenant, nous t'entendons. Lorsque nous remarquons, l'église de Smyrne, l'église de Smyrne, Asa persécuté par les diables. Il y a un c'est ça. Les amis, les diables ont persécuté, c'est l'une des têtes, il y a diables. Satan a dit, les amis, pourquoi il y a mis tout dans les âmes en romain. Les amis, par contre, il y a écho de la robe. Et Dieu te bénisse. Ça ne vient pas pour les âmes en pèlerin romain. Les empereurs romains. Mais l'église de Smyrne a dit qu'il faut persévérer jusqu'à la fin. Elle m'a dit à cette église de persévérer jusqu'à la fin. Si on va persévérer jusqu'à la fin, si elle persévère jusqu'à la fin, les seigneurs vont pèser couronne. Nous allons pèser ça et tout le monde. Et ce qui a tardé à vaincre Tina Souk, et si un temps de la foi juste à la passé de la seconde mort, mais il a collé la Tina Pouf et Libané. Mais la couronne, il y aura la qui. Mais la couronne qui lui est promise. Le verset 10, hein. Au verset 10. Ne crains pas, il y a Boris 2. Combat ma tête. Toujours dans l'église à Smyrne. Que tu vas souffrir. L'honneur que l'on connaît pas. Voici les diables. Dans la Satan. Donc les diables, on comprend déjà les diables. Tu as déjà compris qui est le diable. C'est la sixième tête. Les amis vont tout y avoir tout avoir dans Satan. Donc, empereur, donc les empereurs. J'aiderai quelques-uns de vous en prison. Pourquoi quand on sous sous tête, ça vient à bord. Afin que vous soyez éprouvés. Et que vous aurez une tribulation de 8 jours. Dix jours étaient sur la 302 et 312. Et ces 10 jours ici, c'est 300 et 312. Attends, à Dioclétien. Du temps de l'empereur Dioclétien. De la grande persécution Smyrne à l'époque. En temps de la persécution de Smyrne. Sois fidèle jusqu'à la mort. Ça va s'évoquer au niveau. Et je te donnerai la couronne de vie. Et la coupe de sang est au cœur de la bombe. Que celui qui a les oreilles entende ce que le Seigneur dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Il y a pour nous comme un cadet pour faire qui va. Les uns ont deux récompenses. Il y a deux récompenses en l'église. La couronne de vie. Les amis ont tourné à Pomou. Donc, ce qu'on t'a dit, Esaïe 35. Observons Esaïe chapitre 35. Pourquoi que nous possédions ça? Pour aller à terrible. Aujourd'hui. Bon année. Il faut que ma communion soit concernée les églises de Dieu. Tu vas savoir que toutes ces choses concernent les églises de Dieu. Smyrne a un échantillon. Smyrne n'est qu'un échantillon des églises. Maintenant, t'as le verset 10. Maintenant, remarque le verset 10. Et Esaïe 35. Esaïe chapitre 35. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Satan qui a commandé sous Christ. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ainsi que la mienne, Yahweh, ma cousine, ma carambo. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera l'intérêt. Donc la couronne de la Bible s'appelle joie éternelle. Ce n'est pas qu'on va te faire porter la couronne ou bien on t'a fait porter la couronne. Et ça, la joie éternelle couronnera la terre. Et c'est pour dire qu'on a monté la montée. La détresse et la joie s'approcheront. La douleur et le gémissement s'enfuiront. Joie éternelle, on va aller à la couronne. Et c'est cette joie éternelle qui est la couronne dans la vie. Pour les âmes éternelles, donc c'est éternel. C'est sa couronne de vie. Il y a monné montée à commun. Aujourd'hui, Esaïe chapitre 11. Chapitre 11. Le Seigneur a joué. Le Seigneur dit ceci. Dans verset 10 encore. Au verset 10. En ce jour-là. Mon coloan. En ce jour-là. Ah ouais, Esaïe a un millénium. Ici, on parle du règne de Mille. Dans Esaïe 11. Dans Esaïe 11. Les rejetons d'Isaïe. Mon quitanialisant. Sera là comme une bannière. À cause de la loi de la bénédiction. Pour les peuples. Pour la mapota.
les nations se tourneront vers lui. Et la gloire sera sa demeure. Donc la maison est appelée gloire. C'est pourquoi ceux-là qui vont passer à la grande Apocalypse 7. L'Apocalypse chapitre 7. Autant qu'il y a moi aussi. Nous les lisons aussi maintenant. Pour moi, la gloire, c'est la demain. Pour moi, quel mot des habitants. Là, dans le millénium. Là, pendant le règne de Dieu. Mais nous avons remarqué, oui. Mais nous remarquons ceci. À partir du verset 13. À partir du verset 13. J'ai bien nommé Jésus-Christ. Ah. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, mais mon cœur en partage qui m'a demandé à ceux qui sont revêtus des robes blanches. Qui sont-ils? Et d'où sont-ils? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. La grande tribulation est l'évangile. L'église sera déjà enlevée. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant les trônes de Dieu. Et les servent jour et nuit. Dans son temps, celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Donc ils sont vaincus. Lorsqu'ils ont vaincu, dans sa maison. Le Seigneur les a comptés comme les gens. Mais maintenant, à part le rôle avec nous dans sa maison, mais à part les avoir comptés dans sa maison, il dressera sa tente à ceux qui émanent à mon aide. La tente là, c'est la gloire, c'est la couronne. Et ma wana des amis, qu'est mon père, 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 à vous souffrir dès la seconde mort. Ils n'auront plus à souffrir la seconde mort. On promesse à vous souffrir dès la seconde mort. La promesse de ne pas souffrir la seconde mort. Ils apprennent à ma martyre aussi la tente. C'est pour ceux qui vont mourir à cause de la parole. À mourir à cause de la parole. On les tue à cause de la parole. Ils apprennent à vous séduire. Mais le Seigneur va les ressusciter. À sous aussi. Les autres aussi. À vous souffrir la seconde mort. Ils n'auront pas à souffrir la seconde mort. Ils apprennent à vous résister. La bête. Ce sont ceux qui vont s'opposer à la bête. En tant que déjà l'épouse du Seigneur s'acquit. Après que l'épouse du Seigneur résister la bête. Ceux qui vont s'opposer à la bête. Ça va avant un ami. Le Seigneur va les ressusciter avant le début du milieu. C'est ça le verset 4 et Apocalypse 20. C'est ça le verset 4 de l'Apocalypse 20. Maman les autres de la maman à voir. Ce sont deux qu'on parle ici. Zamba Botan la maman n'a pas qu'à sa maison. Sera sur eux. Vous avez un amen. Ma tante aussi, c'est la gloire de Dieu. Et ma pensée, c'est la joie éternelle. Pensée, c'est la joie. Et ma pauvre, ma pensée, quoi, la mer. Dans le mille ans, ils ont mandat. Et ceux qui vont ressusciter aussi au début de mille ans. Pour participer à la seconde mort. Ils ne vont pas souffrir la seconde mort. La seconde mort, les apprendre à Okeneli Félonibéna. La seconde mort, c'est pour ceux qui vont au feu éternel. Après le jugement dernier. Mais sans viser à souffrir. Là, il faut attendre l'Apocalypse 20. Là, il faut lire l'Apocalypse chapitre 20. Mais il faut y évaluer. Que tu dois savoir ceci. Oyozamba Poni. C'est lui que le Seigneur a chassé. Pour ça, mon kiri, le désir du monde va quitter son cœur. Il ne sera pas là. Qui va mourir? On veut le tuer. Alors, viens, mes enfants. Tête. Il sera que le Seigneur va les enfants. Le Seigneur vient avec les pères. À comprendre les gens. Il prendra sur les enfants qui vont précéder. Je peux précéder ma famille. Mais Dieu veille sur les enfants. Il veille sur la paix. Je témoigne la fidélité de la parole. Ah, mais j'étais parole. Je ne puisse pas
victoire éternelle. Nazo esengwane ya seko ya mpela. Ba douleur de l'ombre. Ba pasi ekena. Ba honte de l'ombre. Ba soumi ekena. Na kota meta pa gloire. Je puisse entrer dans la gloire. L'enfant de Dieu a voulu posséder devant ma persécution. Un enfant de Dieu ne peut céder devant le persécution. Oh, c'est ça sa vie. Oui, diamant de l'homme, il a dit. Il ne peut céder le diable. Oui, c'est ça. Sauf que l'on y a une interprétation. Si tu l'emportes, tu emportes cela sur la table. Il y a corps à corps. Il viendra avec le combat corps à corps. On réalise. Alors, à l'avance, je vous ai dit ces choses afin que lorsqu'elles arriveront, que vous ne puissiez pas guérir. Vous saurez que je vous les avais déjà dites. Des tribulations, la persécution, les âmes éveillées en plusieurs formes. Au beaucoup d'amour, la classe, tu pourrais les croiser dans tes études. Aux amoisses. Suffit, mais pour avoir c'est au point, mais pour avoir de quoi, professeur dans la maison, les professeurs à la maison, les professeurs sérieux, il y a des profs sérieux, mais dans nos sous-sous, les autres, bah, va courir le chibon. Ce sont des véreux, les coureurs de chibon. Donc, par exemple, on va par tous les moyens pour détruire sa vie. Ils cherchent par tous les moyens à détruire la vie. On ne reçoit pas de transmettre la démon à vie, n'ayant et pour être transmissible des démons. Parce qu'on vous a coupé, vous avez mis cette chaîne. Donc, ceux qui savent des mots, si les professeurs avaient 100 démons, ils ont transmis. Et ces 100 démons sont transmis dans votre troubler vie. Et ces 100 démons vont troubler ta vie. Vous commis cette chaîne. Et vous devez mis cette chaîne avec le professeur. Au sacré la vie, il ne faut pas jouer avec ta vie. La sainteté plus que le point. Au centre de l'équipe, en première classe. Je marche pour le royaume. Je garde la fidélité afin que l'on a le Seigneur. Je garde la fidélité pour voir le Seigneur. Il faut garder position vers lui. C'est qu'il n'a pas été à la mort. Quel que soit le problème. Et ça a dit à mon il m'a au perdre. Consent à perdre pour gagner la vie éternelle. Pour gagner la vie éternelle. Alors lui, oh, va vous battre la vie, la maman va vous perdre. Mais celui qui gardera sa vie, va vous perdre. Mais celui qui la perdra, la gagnera pour la vie éternelle. Et ça pour la vie éternelle. Les amis pour l'amour et à Seko. Ma capote, je sais, mon amour. Les choses qui se passent dans le Seigneur sait. Ça va être bien. Aucun pays est comme le monde. Juste. Les amis pour rien que les négociants avaient. Sauf qu'il paye pour les amis juste. Si il y avait la justice, qui avait la justice de Dieu. Le Seigneur a voulu y avoir le royaume, il y a justice et il y a des réunions. Le Seigneur ne pouvait pas venir avec aucun pays. Et quand on si la terre, ah voilà ma bien, et ça la justice, là la justice de Dieu, justice à mon mionso, toute la justice de la nation, et ça là quelque part les ont failli, a toujours des failles quelque part, attends ou apprécie à mon même si tu apprécies la justice de ce pays, et ça n'a pas erreur, il y a toujours des injustices, devant le Seigneur, des injustices devant Dieu, et bien justice, et ça là. Tous les pays, donc c'est dans tous les pays du monde. Pour les amis, le royaume à diable. Vous voyez que les amis, au côté, Satan a dit au côté. Ma tête, nous sommes les amis à diable. Et c'est toutes les têtes sur la tête. C'est comme ça qu'on avance tous. C'est comme ça qu'on avance tous. Et ça, c'est cette tête. Azali a mis tout ça. Et à moi, les amis à nous. Et ce sont ces têtes qui ont des têtes. Fais ça la parole avec raison. Et donne raison à la parole. Attends, au moins, il monte. Même si tu vois quelqu'un, à toute façon, apparence, il te montre la parole. Mis mon état d'écriture. Si tes yeux sont arrivés sur les écritures, écoutez les assolos. Les communes des amis solos. Tout le monde a la réconnue mentale. Et nous, on s'en fout à ma bouche. Dieu sait le vrai. Ça fait un moment qu'on a solo. Oh, ça m'a l'oubli. C'est que le Seigneur a dit. Et il y a quoi les assolos. Et c'est ce qui est la vérité. Et alors, on a l'oubli. C'est comme il a dit. Veuillez prier. On sait que j'ai appelé au Saint-Père. Pour que vous croyez à la tentation d'elle. Vous voyez que vous croyez dans ma Seigneur. Nous sommes qui ont. Mais si moi je te vois nulle part où tu pêches, mais tu ne pries pas non plus. Après ça, je te donne raison. Non, frère. Il y a son ami qui se consomme. Je n'ai jamais dit si
ne peux pas. Oui. Tu vas tomber dans les tentations. Et ça, Jésus. C'est Jésus. Oui. C'est lui qui avait créé l'homme. C'est lui Jésus. Même si tu ne pries pas, et tu ne sais pas veiller sur toi-même, tu vas tomber dans les tentations. Même si je ne te vois pas, mais tu vois le péché comme Dieu. Tu vois le péché comme Dieu. Le Seigneur a fortifié. Qu'on appelle son matasse. Il puisse le faire sa grâce. Jésus-Christ est béni. Jésus-Christ a parlé.